Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. À la barre depuis 3 jours maintenant, pour donner sa version des faits, dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, l'ex-aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Touba, a refusé ce mardi 25 octobre de se prononcer sur la manière dont il a été interpellé au Sénégal en 2016 avant d'être rapatrié à Conakry. Il a également gardé le silence sur sa façon de porter son béret, c'était lors de la phase question-réponse avec la partie civile. Posant des questions, l'un des avocats de la partie civile a dit « Monsieur Diakité, expliquez-nous pourquoi le port de votre béret est différent de celui des autres. » Touba a pris quelques temps avant de répondre, mais ça n'a rien à voir avec ce procès. L'avocat insiste « Non, je veux savoir s'il y a d'autres hommes qui portent leur béret de la même façon que vous. » Touba, maître, je pense que cela n'a rien à y voir avec ce procès. Un autre avocat de la partie civile poursuit en disant « Monsieur Sidiki Diakité, expliquez-nous comment vous avez été arrêté au Sénégal. C'était une manière douce ou quoi ? Touba, je ne peux pas répondre à la question. » A noter qu'au moment où nous mettons cet article en ligne, Touba est toujours à la barre pour répondre aux questions. Et bien les amis, c'est ici que prend fin cette publicité d'information. Restez abonnés et scotchez à la chaîne. Partagez avec vos amis et connaissances, vous la trouvez intéressante. À très bientôt.